Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, je vous fais une balade de mes mâles lapins. Voilà, alors de mes trois mâles, ça va être la balade de Peinture, Grisou et Petit Wabbit. Alors, si vous vous demandez où est Peinture, où est Pampan, désolé, il est ici. Dans le clapier de Peinture. Voilà, parce que sinon, comme vous savez, les mâles lapins se battent. Alors, je vais vous expliquer ce que je fais tous les jours pour ne pas que mes mâles se battent. Alors, pour aujourd'hui, c'est Peinture qui est en liberté. Et en fait, tous les jours, j'y change. Alors, d'abord, c'est Peinture. Après, c'est Petit Wabbit. Et en dernier, c'est Grisou. Pourquoi en dernier, c'est Grisou? Bah, parce qu'en fait, Grisou, c'est celui-là qui aime le moins les sorties, en fait. Voilà, et lui, c'est toujours le plus actif et tout, alors faut le sortir vraiment en premier. Ensuite, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, et demain, bah, ça y changera. Comme je vous dis, demain, bah, ce sera Petit Wabbit qui sera en liberté. Après, Grisou, il ira dans l'autre parc. Enfin, le parc à Pampan. Et puis, Petit Wabbit, et bah, il sera dehors, et puis Peinture sera ici. Dans ce parc-là. Voilà, je fais ça tout le temps, comme ça, bah, ça m'évite qu'il y ait des bagarres, et mes lapins, bah, ils peuvent, bah, s'éclater et tout. Là, il y a mon coq qui gueule. Désolé. Surtout que le pire, c'est qu'ils ont l'habitude, enfin. Voilà, ils sont vraiment bizarres, mes coqs. Ils gueulent toujours pour rien. Ah, voilà, Mister Grisou, c'est toujours gratté, 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 comme les autres mâles. Hein. Alors, voilà Mister Grisou, qui gratte les cailloux. Voilà. Aujourd'hui, il a envie de gratter là, sinon il gratte ailleurs. Sinon, en général, il gratte toujours à côté de la cabane, là-bas. Alors, voili voilou, Grisou qui se balade. Ensuite, je vais vous montrer bah, où est Petit Wabbit, hein, vu que lui aussi est en sortie. Et puis, ce qui est bien avec Peinture, c'est que lui, il reste toujours au clapier, alors ça leur fait le même environnement, enfin voilà, leur même espace de jeu. Et Mister est ici. Alors là, il marque ses odeurs, mais bon, vu que Pampan, il est jamais là, hein, il est toujours à l'extérieur quand je le surveille. Mais là, bon, je l'ai enfermé exceptionnellement parce que, voilà, il est pas dans son clapier à lui. Alors voilà, il marque ses odeurs, comme d'habitude. Oula, on voit rien. Alors là, j'ai un peu changé, c'est pour ça qu'il est un peu perdu, que Grisou et, et Peinture, eux, ils ont repris leur marque très très vite. Désolé pour ma voix aujourd'hui, elle est bizarre. Alors désolé si je marche beaucoup et tout, mais je vous montre. Alors voilà, vu qu'il y a les odeurs de tous les lapins, là-bas ça y va. Vu qu'en général, quand ils sont en balade, ils restent toujours ici devant. Pampan, bah lui, c'est monsieur, je veux sortir, je veux rentrer, je veux sortir, je veux rentrer. Alors là, comme d'habitude, il veut sortir. Mais bon, bah, il va attendre que ils ont fini leur balade et tout, hein. Mes mâles lapins, je sors environ 4 heures par jour. Alors là, on est en début d'après-midi, hein. Alors, c'est pour ça que je les sors, comme d'habitude. Voilà. Mes mâles, c'est toujours, je gratte. Tout le temps. Là, ils sentent plus les odeurs de Pampan. Vu que Pampan, maintenant, il est presque en liberté totale. Bah en fait, la journée, il est en liberté. Et la nuit, il est dans son enclos. Voilà, en fait, ça dépend parce que Pampan, lui, il tient jamais en place. Il est pire que Peinture. Alors voilà, Peinture. Je vais vous montrer Grisou qui est là-bas. Désolé si je marche beaucoup, hein, mais... Voilà, voilà. Je vous montre tous les petits lapins. Ce qu'ils font et tout. Ah bah, Mister Grisou est en train de gratter. Oh, en fait, lui, il profite jamais. Il est trop bizarre. Il profite jamais de sortir et tout, enfin, de se balader et tout. Non, lui, c'est gratter. Ah bah, enfin. On va suivre un peu Grisou, vu qu'on le voit pas trop.
Il y a un peu d'herbe qui a repoussé. Voilà, c'est là son lieu qui gratte tout le temps. Normalement. Il est là. Quand même, il a un grand espace hein, pour lui. Voilà. Il est content. Hein. Comme tous les jours. Hein. Bon, en fait, là, ils marquent leurs odeurs avec en dessous de leur menton. Parce que vu qu'il y a tous les lapins bah, qui vont dans le parc et tout, quand ils font leur balade, et vu que ça change tout le temps, comme je vous ai dit, c'est jamais les mêmes qui reviennent, comme demain, bah, je vous ai dit qui allait où. Voilà. Je pense vous faire une vidéo demain pour vous montrer. Voilà, voilà. Même si c'est habituel et qu'ils sortent tout le temps, hein, mais je vais vous montrer quand même. En là, Grisou qui marque ses odeurs. Je vais vous montrer Petit Wabbit maintenant. Petit Wabbit est ici. Bon, lui, c'est aussi grattage et comme d'hab, hein. Comme tous mes mâles. Alors, je vais vous montrer vite fait le parc de Pampan. Voilà. Alors, il y a ça. Avec ça, c'est pour qu'il va en dessous, mais en fait, c'est pour caler la palette. Et un pot. Désolé, j'ai coupé parce qu'il y avait des gens que je connaissais. Alors, bah, j'aurais dit bonjour et tout. Voli, volou. Ah, bah là, il s'éclate avec la cabane et tout. Alors, Petit Wabbit, lui, il est pas trop courir, etc. Il court presque pas, enfin. Il préfère marcher et prendre son temps et tout. Enfin, il est vraiment drôle. Il gratte beaucoup, énormément, comme son frère et comme Peinture. Vu que Grisou, c'est son frère. C'est son fraté. Alors, voilà, Valou. Voilà, comme on voit, mes mâles arrêtent pas de gratter, franchement, c'est ouf. Que mes femelles, elles grattent pratiquement jamais. Ouais, voire jamais. Mais mes mâles, c'est tout le temps ça, tout le temps. Voilà, quand il a passé à un côté, il passe à l'autre. Je vais vous montrer une dernière fois tous les trois et après la vidéo sera finie. Alors là, il y a Peinture qui est en balade complète. Bon, lui, c'est une boule d'énergie, franchement. Faut tout le temps le sortir. Faut tout le temps le sortir, sinon... voilà, il pète des câbles et tout parce que Petit Wabbit, lui, ça va. Lui, il est posé. Grisou est au milieu, hein, franchement. Il a des caractères, enfin... voilà, il est bizarre. Il change de caractère tout le temps. Que, ouais, lui, c'est une boule d'énergie. Faut le sortir. Voilà, là, peut-être qu'il ira voir Grisou. Je sais pas. Heureusement que c'est fermé, hein. Que chaque lapin est bien dans un endroit. Parce que sinon, il y aurait des très hauts risques de bagarre. Bon, monsieur se barre pile quand je parle de lui. Voilà, il y aurait des très très hauts risques de bagarre. Surtout avec lui. Parce que lui et Grisou se détestent, mais... oh là là. Voilà, à travers les barreaux, il s'arrache et tout. Lui, il est insociable. Bon, à part avec les lapines, mais bon. Voilà, je pense que comme tous les mâles lapins. Voilà, il est insociable, mais oh là là. Voilà, je vais vous montrer maintenant le petit loulou qui est là-bas. Alors voilà Grisou, hein, comme d'hab, hein, toujours en plein grattage et fouissage. Voilà, il gratte. Et Petit Wabbit. Voilà. Bon, moi, mes lapines, elles font des trucs beaucoup plus intéressants que les mâles. Parce qu'en fait, mes mâles, ils restent toujours dans des endroits, en fait. Il y en a un qui est à cet endroit-là, un qui est à l'autre. Enfin, Peinture, il reste tout le temps au clapier. Grisou, tout le temps au parc. Enfin, voilà, ils restent toujours à des endroits quand ils sont en sortie. Et ils bougent pas trop, hein, franchement. Ils sont posés. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo sortie de mes lapins. Vu que ça a été beaucoup demandé, vu que... tout le monde croit que je laisse mes animaux dans les clapiers. Et voilà, ça me saoule un peu qu'ils croient ça, parce que moi, bah, je fais tout mon possible pour qu'ils sortent. Franchement, c'est vraiment ça. Même pour les mâles, même si je dois un peu galérer pour leur trouver des parcs et tout. Mais je le fais quand même. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis bye et à plus pour une prochaine vidéo. Salut !